Amis de la Fogonette Story, bonjour. Face aux milliers de demandes qui nous ont été faites dans les commentaires, faites-nous voir votre barbecue jetable, c'est le jour J. Alors, nous on met toujours une petite table en fer pour éviter qu'il ne soit au sol. Et voilà notre superbe barbecue que je vais déballer devant vous. En même temps, on fait un unboxing. C'est énorme. C'est la chaîne de l'année. On vous fait toutes les étapes. J'ouvre ma machine. Important. Sécurité. Extincteur manuel. Qu'on laisse à portée de main. J'enlève mon barbecue. Petit support qui va nous permettre de le bloquer. Blocage. Hop, on enlève le papier. Et il nous suffit pour l'instant d'allumer les quatre côtés. Hop. Hop. Bon, les trois côtés, c'est pareil. Ouais, ça brûle. Hein ? On n'y touche pas et on attend 20 minutes. Non, on attend. Non, on va voir l'apéro pour l'instant. Ouais, apéro. On revient tout de suite. Alors vous avez vu, 20 minutes, on attend, nos petites braises sont plutôt chaudes, n'est-ce pas madame? Tant que tu es là, je vais montrer parce que tu t'es moqué de moi. Il y a bien écrit extincteur. Effectivement. Hein, d'accord? Effectivement. Ouais, c'était tout. Et pour vous dire que Valérie m'a fait un piège, 6 merguez et 6 saucisses. Désolé. Hein, on est deux. Non, je dis ça, je dis rien. Alors, on va essayer de les mettre. Je suis assez confiant. Mais de nature, je suis assez confiant quand même. Non, mais moi aussi, j'ai confiance en toi, tu l'as déjà fait. Bah oui, mais dis-le pas. Ça fait du suspense. Hop. Ouais, on va essayer. Hein. Celle-ci, ça va être... un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Mes copains, on continue pendant 20 minutes. On va les tourner au fur et à mesure. Celle-ci, elle a un truc un peu bizarre. Hein. On dirait une sorte de préservatif. Celle-ci, on l'aime pas. Oui, elle a le bout un peu... Ok, on refait, on tourne pendant 20 minutes, on vous montre ce que ça donne, et puis après, à table. On en est. Encore 6 minutes. Alors, il y en a qui sont un peu plus cuites que d'autres. Il y en a qui sont un peu moins cuites que d'autres. Mais dans l'ensemble. Madame l'intendante, pouvez-vous nous rappeler le prix de ce barbecue magique? Alors, environ. Vous avez à peu près... Mais où on en fait cette année? On est sur 5,90. 5,90. On
On en trouve à Electrodépôt à 1,90€, mais il n'y a pas la petite bouteille d'eau. Il n'y a pas l'extincteur. Et le charbon est un peu moins bien. Ça, c'est vrai. Ça cuit beaucoup plus lentement. Oui. Mais ça, dans les grandes surfaces, finalement, je trouvais ça à Jiffy avant et puis finalement à Carrefour. Tous les habitués du camping doivent connaître. Nous, on a découvert ça comme un truc fantastique. Ça existe depuis très longtemps. Alors, on est bien d'accord, c'est pas le barbecue de l'année. Mais en dépannage, là, vous voyez quand même, elle m'a fait un piège. 6 saucisses et 6 merguez. Elles sont là. Tu m'auras pas. 148 par 274 en millimètres. 35 par 20, à peu près. Merci. Merci. Et voilà le résultat. 6 saucisses, 6 merguez. Bien mangé. Bravo. L'étape d'après, on laisse refroidir un petit peu. Vous verrez, on va mettre un petit peu d'eau pour éviter tout problème au cas où. Et puis le lendemain, on met ça dans un sac, on jette, c'est fait, on est prêt pour le prochain. On va manger. Ciao. Ça veut dire ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Eh bien, on a bien mangé. On vous remercie de nous avoir suivis. Une fois qu'on a fait notre barbecue, on évite tout risque. Je prends mon extincteur. Hop. Alors, je vais mettre peut-être la table un petit peu plus loin. Tac. Allez, pchit. Et voilà. Demain, on vide tout ça dans la poubelle. Et c'est fait. Allez, pour finir, on vous fait un petit bilan. Donc, petit 1, pas cher. Pas cher. Petit 2, plutôt efficace. Petit 3, super bon. Petit 3, excellent cuisinier, d'accord. Petit 4, pas de charbon à emporter. Pas de saleté dans le fourgon. Ça, c'est donc chouette. Plutôt, pour nous, assez... assez pratique, voilà, pratique. Une fois de plus, c'est pas le barbecue de l'année, mais on peut s'en dépanner. Allez, salut les copains, ciao ciao.